Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans Nous, la Révolution, là où la tête de la justice coupée est moins lourde que la responsabilité du marteau. Oh là là, le drama. Mais allons-y du coup. With the Revolution, épisode 3, on continue. On venait de décapiter le roi, hein, si je me souviens. Ma répute est pas mal, les révolutionnaires m'aiment pas. Et les gens du peuple m'aiment bien, donc ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, j'ai bien réussi à nettoyer ma répute de vieux poivreau dégueulasse. Très bien, donc allons-y. Hier, on a tué le roi. Longue vie au peuple. Allons-y. Bah, je suis triste pour le roi. Oui, bah, je suis désolé que vous soyez triste pour le roi, les enfants. Le roi n'a rien fait, tout ce que vous voulez, patin, couffin. En attendant, petite guerre et petite... petite collaboration avec des forces et des puissances étrangères contre l'ordre établi de la République. C'était pas mal, c'était pas mal. Alors, le peuple s'est débarrassé du fardeau invisible qui l'accablait. Les rues sont devenues plus paisibles. Les vitres du palais de justice ont même été remplacées. Ah, on a de nouvelles vitres ? Cher citoyen fidèle, je t'écris pour te féliciter d'être entré dans l'histoire de notre pays. Le jugement du roi est sur toutes les lèvres. Je voudrais m'entretenir aussi du sujet crucial qu'est la nomination du commandant en chef de la garde nationale, en remplacement du citoyen Burel. Je pense en toute sincérité être le meilleur candidat. Si tu le veux bien, j'aimerais te rendre visite ce soir. Longue vie à la République, François Hariot. Qui est François Hariot? On ne sait pas, mais il veut remplacer Burel, qui a succombé aux émeutes par ma faute. Enfin, par ma faute. Entre guillemets, c'est ce que le jeu essaie de me faire gober, mais moi je me sens bien si tu veux. Et ni du palais de justice. Ah ouais, le jury, il fait toujours la gueule parce que je l'ai pas écouté, si tu veux. Et par contre, regardez cette statue en or. Oh, je bling ma répute. Et dans répute, il y a république. Voilà. Alors, qui est ce connard? Voyons voir. Compilé par Olivier Clément. Compiled by Olivier Clémentin. C'est donc un traître anglais. Trahison, apologie de la monarchie, contre-révolution. Oulala, 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 oulala. Je rappelle, l'apologie de la monarchie, il me semble que c'est illégal. J'ai un timer, mais les gens sont heureux. Donc tout va bien, ça a l'air pépouze, si tu veux. Il me semble que c'est illégal. Hein. Alors, est accusé, Antoine Barnave, politicien et orateur célèbre de 32 ans. Les Parisiens le connaissent notamment pour son vibrant plaidoyer pour la nomarchie constitutionnelle. Sa réputation d'ennemi acharné de la République et de défenseur du roi n'est plus à faire. Il rejoignit les rangs de la garde nationale lorsqu'il constata l'inanité de ses efforts politiques, donc l'inutilité de ses efforts. Très bien, donc il est devenu soldat, pourquoi pas. En 1791, lors de la fameuse fuite vers Varennes, la famille royale fut placée sous la surveillance de la garde. Antoine Barnave et deux autres soldats reçurent l'ordre d'escorter le retour des fugitifs vers Paris. Barnave tomba sous le charme de Marie-Antoinette, une relation possiblement amoureuse naquit entre eux deux, qui se manifesta ensuite par une correspondance assidue. Dans ses lettres, Marie-Antoinette exprimait souvent son espoir que la monarchie absolue subsistât. Peu de temps après, Barnave rejoignit les Jacobins afin d'atténuer les vues radicales des révolutionnaires envers les citoyens Capet et Marie-Antoinette. Sa tentative s'avéra vaine. Ah oui, donc le mec, il a rejoint le parti politique d'en face pour tenter de faire une psyops. C'est fourbe ça, monsieur Barnave. C'est très très fourbe ça, citoyen Barnave. Sa sympathie à l'égard de la monarchie et de la famille royale, et tout particulièrement de Marie-Antoinette, a suscité une surveillance constante de ses faits et gestes. Et nous sommes enfin parvenus à recueillir suffisamment de preuves contre lui pour l'inculper. L'inculpé donc de pro-monarchisme et de trahison contre la Révolution. Très bien. L'une de ses preuves est sa correspondance avec Marie-Antoinette, qui démontre ses plausibles tendances contre-révolutionnaires. Il convient de châtier Antoine Barnave comme tout autre ennemi de la Révolution. Pièce à conviction, lettre d'Antoine Barnave adressée à Marie-Antoinette. Eh ben voyons voir. Orateur célèbre, personnalité de la personne jugée. Très bien. Escorte du roi. On ne sait pas. Marie-Antoinette. Mobile, c'est pour ça qu'il a fait ça. Très bien. Charmé par la reine, circonstance atténuante. Sympathie envers les monarques, contre-révolutionnaires. Lettres adressées à Marie-Antoinette, pièce à conviction. Et enfin, escorte du roi, personnalité de la personne jugée et circonstance atténuante. Circonstance atténuante ? Lettre adressée à Marie-Antoinette, personnalité de la personne jugée ? Ah d'accord, ok très bien. Fantastique. Sur le chat, les gens demandent ce qu'est une psyops, en fait. Une psyops. C'est
C'est compliqué à expliquer. Le chat s'en chargera. Ok, ou les commentaires. Donc, ah oui, la lettre. Chère Altesse, j'ai la certitude que nos efforts conjoints convaincront le peuple de France de préserver la monarchie. L'État ne peut se passer de votre sagesse et de votre bonté. Je vous prie de bien croire, votre Altesse royale, en l'assurance de mon dévouement, Antoine. Est-ce que son acte était de la nature contre-révolutionnaire ? Oui, c'est ce qu'on l'accuse, si tu veux. Selon le citoyen Barnave, quel type de système politique conviendrait à la France ? Une monarchie constitutionnelle, logiquement. Quels étaient les charmes de la reine pour le prévenu ? Ah ! Eh ben, on va rentrer en mode personnel, allons-y. Il s'est amouraché de Marie-Antoinette ! Es-tu Antoine Barnave ? C'est bien moi. Avez-vous, toi et ta maîtresse, Marie-Antoinette, comploté contre la France ? Objection ! Mec, je sais bien que je te fais la même voix que les virus dans Il était une fois la vie, mais calme-toi. Votre question comporte tellement de mensonges que je ne sais lequel récuser en premier. Il essaie de se défendre avec des mots. Oh non, du vocabulaire. Non, calmez-vous. Silence. Je sais que les mots multisyllabiques vous font peur, mais... Fermez-la ! Silence ! Putain. Plus de 3 syllabes et le peuple s'excite, mais genre direct... Non. Tu te calmes. Non. Très bien. L'accusé plaide donc non coupable. Bien entendu. Très bien. Alors, moi, dans le rapport, la seule chose qui m'intéresse, c'est les charmes de la reine pour le prévenu. Donc j'ai envie de dire, dans cette apporte de trahison, c'est... Du coup, la reine, bonnet D ou bonnet C ? Et tu sais, ça fait... Mec, direct, hein. Ah... Le peuple le voudrait libre. Prison, disculpation. Honnêtement. On verra. On va essayer d'alterner. On verra bien ce que ça donne. Alors. Bon. Pourquoi la garde nationale t'a-t-elle choisi pour escorter la famille royale ? Dans les rangs de la garde, personne ne remet en question les ordres. On m'a donné l'ordre d'accomplir une mission et je me suis exécuté. Tu ne l'as donc pas demandé. Comment aurais-je pu ? Je n'ai eu connaissance de l'évasion du citoyen capé qu'à l'instant où l'ordre me fut donné. Mais tu en as tout de même tiré parti, n'est-ce pas ? Étant donné ma présence sur ce banc, j'ai grand mal à le croire, monsieur. Tu étais, il y a peu encore, promis à une grande carrière. J'ai en mémoire ton fameux plaidoyer en faveur de Louis Capet. Ton talent oratoire aurait pu te conduire aux plus hautes fonctions, mais te voilà ici à la place. Ne regrettes-tu donc rien ? Ce discours n'était pas dirigé contre la Révolution. J'ai seulement cherché à faire appel à la raison de mon auditoire. Nombreux sont ceux qui ont interprété cette harangue comme une attaque contre tout ce qui débuta en France au mois de juillet 1789. Ça n'a aucun sens. Il était essentiel que les choses changent. La monarchie constitutionnelle est une alternative raisonnable pour l'ancien régime. Les personnes qui ont plongé la France dans la misère devraient selon toi continuer de vivre dans un palais ? Je ne pense pas qu'il faille les guillotiner au seul motif de leur ascendance ! Compliqué, hein. Le peuple, il aime pas ça, hein, le peuple. Hein. Ça les excite. Bon, clairement, il sera pas libre, hein. Pourquoi Marie-Antoinette t'a-t-elle causé une si forte impression lorsque tu l'as rencontrée ? C'est une femme incroyablement élégante et raffinée. Il eût fallu que je sois aveugle pour ne pas en être frappé. Il s'est entiché d'elle comme un puceau ! Non ! Très bien. Vraiment ? Marie-Antoinette est une femme mariée et je suis un honnête homme. Libre à vous d'en tirer vos propres conclusions. D'après la rumeur, elle n'a certainement pas cure de son mariage.
Ne savez-vous donc pas qu'il ne faut guère se fier aux rumeurs ? Sa culture et son élégance, c'est bien ce qu'il a dit. Élégante et raffinée. Raffinée, c'est la culture. Très bien. J'en sais assez. Perso, j'en veux pas plus. Hein. Ah, il s'est pas tapé la reine. Mais il veut instaurer une monarchie constitutionnelle. Ce qui, certes, est honorable, mais est un crime. Après le fait qu'il ait participé à la fuite du roi, c'était un ordre. J'hésite à la tôle, hein, mais c'est un grand orateur, il pourrait causer des problèmes par la suite. Écoute, on a déjà un... Allons-y. Ne craignais-tu rien en apportant ouvertement ton soutien au monarque alors que la révolution grondait? Cela pouvait être considéré comme une trahison. Je suis certes jeune et idéaliste, mais je ne suis pas un traître. Si cela était vrai, tu serais du bon côté de cette salle. J'aime ce pays de tout mon cœur et j'ai la certitude que la république pour laquelle luttent les révolutionnaires n'est pas la panacée. Putain. Si tu luttes contre la république, tu luttes contre la France! De l'ordre! De l'ordre! Très bien. Il n'y a pas vraiment de preuves. Hein. Trahison, non. Contre-révolution, oui. Apologie de la monarchie, en sorte. Après, est-ce que ces idées sont libres? Est-ce que ces idées sont libres? Ah. Il semblerait à la lecture de ta correspondance avec Marie-Antoinette que tu cherchais à la convaincre, ainsi que son mari, de soutenir la révolution. Qui aurais-tu gagné? J'estimais que nous aurions pu empêcher la terreur qui règne actuellement. Pourquoi penses-tu que la terreur règne sur notre pays? Parce que je me trouverais pas ici autrement. T'es là parce que t'es un sale porc de royaliste! Bon, fermez vos gueules! De l'ordre. La famille royale n'a pas montré d'intérêt pour la Constitution? Malheureusement, non. Comment en aurais-tu tiré avantage, alors? Je ne souhaitais que le meilleur pour mon pays. As-tu déjà fait part de tes sentiments à l'égard de Marie-Antoinette dans tes lettres? Ne les avez-vous pas lues avec attention? Jamais je n'aurais osé courtiser la reine de France! Tu lui as attribué de la sagesse et une grande bonté. Cela a tout l'air de flatterie. Objection, Tinville, enfin Tinville. Je comprends que la flatterie te soit étrangère au vu de ton faciès, mais ça veut pas dire qu'il est illégal de la faire. Ce n'était que de simples révérences. Alors peut-être que c'était elle qui le courtisait. Cette autrichienne était une chienne d'Autriche! Tu escortais les fugitifs à leur retour vers Paris. As-tu perçu une occasion de tirer un avantage personnel de tes nouveaux amis? Absolument pas! J'ai découvert des personnes terrifiées et persécutées. C'est pourquoi j'ai décidé de plaider en leur faveur. Eh oui, c'était Théo, commandant qui nous persécutait! Peut-être t'es-tu laissé guider par ta soudaine flamme pour Marie-Antoinette. Certes, les circonstances n'étaient guère favorables à la passion, mais qui sait? Cette insinuation est fausse et elle n'a aucun rapport avec l'affaire! Je me demande si le citoyen Louis aimait les regarder. Mais! De l'ordre! Retournez à la messe! C'est pas possible! Bon. J'en sais assez. J'en sais assez. Pour moi, la tôle est entièrement suffisante. Pas besoin de l'exécuter pour rien. Non pas que je sois, adverse à l'idée de la guillotine, brave Jean. Perso, moi, aucun souci. C'est juste qu'il faut que le crime soit avéré, qu'il ait une portée et une valeur prouvée. Si c'est un mec, on m'explique qu'il a violé deux gamines, bon, bah c'est guillotine direct, si tu veux, tu réfléchis pas.
Mais il faut des preuves. Allons-y. Alors. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Je condamne le citoyen Antoine Barnave à être emprisonné. Emmenez-le! J'espère qu'il n'aura pas la vie facile là-bas. Quel chansard! Comment peux-tu être aussi indulgent avec les ennemis de l'État? Et ben voilà, c'était bel et bien contre-révolutionnaire. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Donc pas mal, on a gagné un point de réputation et un point d'influence. C'est cool, c'est cool. Par contre, les révolutionnaires me font la gueule. Hein. Ouais, ça va être compliqué, hein, bien sûr. Va falloir faire attention. Va falloir faire attention. Qui est ce Judas? Qui est ce mec qui me respire dans mes petits pois? Qui est cet homme qui prend la place de mon fils? Ton épouse m'a dit que si je cherchais le soutien des gens, je devais me tourner vers toi. Oui, citoyen Henriot, mon épouse sera ravie de soutenir ta candidature pour le poste de commandant en chef. Ah, ah bon? Je suis ravi? Pourquoi ai-je le sentiment que c'est un fait accompli? Ne sois pas en colère contre ton épouse, je suis sûr que ses promesses partaient d'un bon sentiment. Comment pourrait-on refuser de soutenir un officier aussi respectable? Je suis certaine que mon épouse saura reconnaître tes mérites, tout comme moi. Sans aucun doute, mais comment puis-je m'en assurer alors qu'il y a tant d'autres candidats? Bien que je respecte les autres candidats, d'honnêtes gens, je peux t'offrir le cadeau le plus précieux, la loyauté. Travailler main dans la main ne serait bénéfique à tous les deux. La ville de Paris pourrait même en sortir gagnante également. Notre famille a une haute considération pour la sincérité et la loyauté, n'est-ce pas très cher? De plus, nous respectons l'espace personnel de chacun. Constamment. En effet, ces ignobles rumeurs laissent entendre que tu es accro au jeu doivent cesser. Sache que je n'oublie jamais les faveurs qui me sont accordées. Tant de blabla, beaucoup de paroles, citoyen Henriot. Je suis sûr qu'aucun autre candidat ne t'a demandé ton soutien. Ils pensent que tu n'es pas digne de leur amitié, mais moi, François Henriot, suis différent. Mes paroles ont également une autre valeur. Je suis certaine que mon époux l'a déjà remarqué. Merci. En dépit de ce que hurle la foule, la force de Paris réside dans l'union de ses élites. Je ne romprai pas la promesse de mon épouse. Cependant, à l'avenir, tâche de venir me voir en premier. Certainement. Vous êtes donc déclaré chef de la garde. Voilà. Mais d'où Jésus, quoi? Ma femme qui me sauce. Qui me sauce avec des gars. Ok, très bien. Bon. Une soirée avec papy. Oh ok. Lire en famille. Ouais. Bon, lui, il va pas kiffer, mais. Concerto pour Adolfo Medina. Balade nocturne. Papy, il aime pas ça. Lire en famille, je sais pas si je peux gagner petit. Une soirée avec grand-père. Ah non, mais le petit il kiffe pas. On va lire en famille. Ce soir, Urotsuki Doji, la légende de l'enfant démon. Ah oui, j'adore celle-là. C'est celle-ci où il y a la fille qui utilise le sang de... Non. Ce n'est pas Bible Black. Bible Black, je me demande, est-ce qu'il nous reste l'ouvrage La Nuit de Valpurgis? Oui, elle doit être sur le mantel là-bas. Ah, j'y vais. C'est le gamin. Mais pars pas dans ta chambre, nous lisions en famille. Je préférerais avoir un peu de... Enfin, vous m'avez compris. Ce garçon s'enferme toujours dans sa chambre. Oui, c'est l'âge. Ah, et ça suffit même pas, quel bâtard. Oh, il kiffe même pas, quel chieur. Bon. Il a besoin d'espace personnel, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? La guillotine n'a toujours... C'est à vous. La guillotine n'a toujours pas perdu son attrait depuis le début de la Révolution. Un groupe de Parisiens entoure quelque chose en pleine rue. Votre poste prestigieux vous permet de vous frayer un chemin au milieu de la foule. Vous y trouvez la tête d'un homme. Cependant, ce qui a attiré l'attention de tout le monde est l'expression sur son visage. Un grand sourire. C'est si inattendu que les gens sont subjugués par ce phénomène inattendu et observent sans rien dire. Vous vous demandez si quelqu'un sait où est passé le reste du corps. Une tête coupée solitaire devrait vraiment attiser davantage la curiosité, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique. Et maintenant, vous vous retrouvez à observer la tête, aussi fascinée que les autres. Ordonnez à la garde de se débarrasser à la tête pour un point d'influence.
Oui, parce que c'est des soldats, mais je suis juge en même temps, mais c'est pas leur boulot de m'obéir. Partir en vous grattant la tête. C'est bizarre, mais à mon avis, la strangulation érotique, on leur a toujours dit que c'était dangereux, les mecs ont pas pris les précautions nécessaires, bon bah il est mort, hein, c'est tout ce qu'il mérite. Allez. J'ignore pendant combien de temps les gens sont restés à observer la tête, ou combien de temps celle-ci a souri. Le peuple m'aime plus. Les mecs font des dessins. Oh well. Oh well. Un fanta souriant, sachant que Lennon ne trouvera jamais l'argent. Qu'est-ce qu'il est ? A Paris of a new era. Oula. Weak, vulnerable to attacks. Ah. Waiting for someone to reach for power. Waiting for someone who, once again, will take control of its soul. Ok. The pawns are now in play. Est-ce qu'on voit la miniature, c'est-à-dire le petit pion de Arnaud qui se déplace de bâtiment en bâtiment un peu... qui court et qui assassine des gens comme ça au pif. Les derniers jours ont prouvé que Paris peut gagner, que la France peut gagner. Nous sommes parvenus à triompher de notre passé, privant du pouvoir de le dernier tyran. Le moment est venu de reconstruire, de créer des symboles qui inspireront les générations futures. C'est à cette fin que plusieurs citoyens entreprenants ont proposé lors d'une séance de la convention d'ériger une statue commémorant la victoire de la révolution sur l'injustice. On vous a confié l'honneur d'en superviser la construction. Quel meilleur candidat que celui qui a vaincu Louis Capet. C'est voici l'occasion pour vous de laisser une autre empreinte sur Paris. Ah. Chaque session peut être contrôlée par vous-même ou un ennemi ou rester neutre. Chaque section acquise vous rapporte un point d'influence supplémentaire sur le territoire, les chances de réussite des missions sont plus élevées. D'accord ? Les agents ennemis peuvent également s'emparer de vos sections. Les actions que vous exécutez dans les actions sections ennemies ont moins de chances de réussir. D'accord, tout s'explique. Section verrouillée. Débloquez-les pour exécuter des actions. Débloquez une section ou d'abord l'explorer. D'accord ? L'échauffement de la foule, l'agitation des sections. Ok. Envoyez des agents en mission pour gérer les foules incontrôlables et participer aux luttes d'influence. Colosse. Le colosse est doué pour la baston, gagner de la réputation et gérer les foules. Le diplomate soigne vos relations avec les factions et étouffe l'échauffement dans les sections, plus faible contre les agents ennemis. Déplacement, ils ne peuvent pas se déplacer. Dans les sections neutres ou hostiles, ils ne peuvent se déplacer que d'une case par jour. Tout s'explique. Ok, explorons. Explorons. Prenez la section ennemi. Ok. Genre là j'explore. Peut-être. Débloque une section. D'accord, ça se fait tout seul. Ok, j'ai toujours mon carnet. Excellent. Ennemi du palais de justice. Jour restant 1. Ah, excellente nouvelle ça. Excellente nouvelle parce que les révolutionnaires commencent à pas trop m'aimer. Par contre, ma statue elle est en or si tu veux. Ça déconne zéro. Hein. J'ai qu'un seul kill sur mon carnet, mais c'est un roi. Hein. Même Staline il peut pas prétendre ça si tu veux. Et pourtant il a du kill le mec. Le communisme, ça marche. Hein. Surtout quand c'est Staline qui s'en charge. Alors, c'est dans le futur, ça. Seront dans la section principale, allons-y. Oula. Confirmez le modèle. Plus vous contrôlez de section, plus le monument se construit rapidement. Chaque étape de construction effectuée, vous pourrez prendre le contrôle d'un autre bâtiment proche du monument. Ah, d'accord. Statue. Ah, d'accord, je peux choisir la statue. D'accord, très bien. Le pédestal. Ok. Et le pourtour. Very well. Très bien. Bon. La statue. Un Robespierre. Un moi. Un mec vénère. Un connard. Et la fameuse de la justice. Honnêtement, y a pas à chier. Moi, j'aime bien le symbole. Noir, blanc... Ça c'est trop grec, c'est vrai que c'est très... J'aime bien avec les petites chaînettes autour. Je trouve ça joli avec les petites chaînettes. Les arbres, ça va être difficile à entretenir. Ça, c'est cool parce que c'est très français comme style. Mais le problème c'est que c'est très Versailles comme style. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce que c'est pas un petit peu... Et ça, ça c'est gaulois mais c'est les menhirs si tu veux. On est un peu...
C'est un peu backstage. Écoute, pour la beauté de Paris et sa population, moi j'aime bien juste les buissons. C'est cool pour les enfants, c'est cool pour les parents avec leurs poussettes. C'est cool. C'est joli les chaînettes, mais ça fait prison. Ouais, mais ce problème, c'est que ça, c'est très moche. Et ça, ça correspond pas, c'est pas la bonne couleur, si tu veux. Donc, honnêtement, j'aime bien la plaque avec les chaînettes. Voilà, c'est pas une fontaine, t'as pas le droit de te baigner dedans. Allez, c'est signé. Signé pour confirmer le B. Chaque bâtiment vous permet d'effectuer une action différente. Prenez le contrôle de ceux qui correspondent à votre type de jeu. D'accord. Votre maison. Passez plus de temps avec votre famille. Favorisez les persuasions. Ah. Pour l'instant, ma famille, ça se passe bien. On va pas bourrer, si tu veux. Surtout que ça coûte des points d'influence et que j'ai du mal à en obtenir. Hein. C'est chaud. Hein. Hiérarchiquement, qu'est-ce qui se passe? Personne d'autre. Très bien. Roland, c'était pas le ministre de Capé? Ministre des Affaires Intérieures. Putain, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est ça. Hein. Il est pas mort, le mec? Eh ben, putain. Ok, je pense qu'on est bon, là. On est bon. De toute façon, j'aurais bien mis lui de là, mais apparemment, j'ai pas le droit, je peux pas passer le tutoriel, donc allons-y. Jour 8. A bloody beginning. A violent prologue announced by a flowing red curtain. The wrath of strangers made me sick to my stomach. Feet stirred dark puddles. The air tasted like iron. Their heads, someone cried. Anger hidden in the shadows. Thousands of cries from a single throat. Here was a beast with hundreds of claws and teeth. A kicked, abused, and physically wounded soul. Their heads. What a cold and urgent order. The beast's eyes showed a long disguised bitterness, yesterday's envy. It has waited too long to show mercy now. Too long covering its ears while others laughed at its inadequacies and feebleness. The beast's bark was filled with a thousand smiles of those who worship this bloody morning. The day when their enemies will perish. Their brothers. Très belle allégorie. Cependant, on peut rester raisonnable. Calmons-nous. Alors, gens du peuple, révolutionnaire, réputation, bonne relation avec votre épouse et bonne relation avec votre Ben. Ennemi du palais de justice, 0 jours, d'accord, c'est ça en fait, pour ça que je perds de la répute à l'infini, ok. Moins 4 de répute, ça fait mal. Mais je suis encore goldé, si vous voulez. Donc tout va bien. Ah, ça leur avait pas plu quand j'avais non-obsté leur demande à ces fumiers. Agression, Charles-Étienne, en 2 papiers. Qui est ce connard? Voyons voir. Tard dans la soirée, dans l'une des allées sombres près du Panthéon, un membre de la garde nationale a stoppé une altercation entre deux hommes bien habillés. Lorsque les gardes se sont approchés, ils ont remarqué qu'un des deux hommes, âgé et arborant une barbe grisonnante, se tenait au-dessus de son adversaire et lui portait des coups de pied en l'insultant avec rage. Eh bien, 3 soldats costauds furent nécessaires pour maîtriser les bagarreurs et durent utiliser la crosse de leur fusil pour les assommer. Les deux hommes, dépenaillés et ensanglantés, furent conduits au poste le plus proche. L'officier présent jugea, à leur haleine, qu'aucun des deux n'avait bu ce soir-là. L'agresseur fut immédiatement interrogé, il bafouillait de manière incompréhensible. Le lieutenant réussit à me noter que quelques mots, encyclopédie et plagiat. C'est Diderot. Lorsqu'on lui a demandé de répéter sa déclaration, l'homme à la barbe grise a dit qu'on l'avait volé. L'homme qui a été agressé s'appelle Léonard Pomeroy. Il est vivant, mais ne sera pas en état de parler avant un moment car il a la mâchoire brisée. Ah, et je parle à qui là? Bagarre, ça c'est le déroulement des faits. Vêtements en loques couverts de sang. C'est le déroulement des faits. Pas d'alcool. C'est pas des circonstances atténuantes, c'est un piège ça. Encyclopédie, ça c'est le mut, c'est pour ça qu'il y a eu ce merdier. Vol. Circonstances atténuantes, c'est ce qui aurait pu causer son agression. Vous voyez, le fait qu'il n'y avait pas d'alcool était un piège, ça n'a rien à voir avec des circonstances atténuantes, ils n'étaient pas bourrés, au contraire. Voilà. Bon,
Très bien. Tinville, t'es prêt ? Bien sûr, monsieur le juge. Ok, allons-y. Je te prie de te présenter, citoyen. Je suis le prof... On va y faire une voix comme ça. Je suis le professeur Hugo Trottier, ancien maître de conférence à la Sorbonne, une véritable université avant la Révolution. Maintenant fermée. Explique-nous pourquoi tu as agressé cet homme, je te prie. Nous sommes tous deux des encyclopédistes, mais je travaille sur mon texte depuis 15 ans, tandis que ce n'est qu'un incompétent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des erreurs en raison de son manque d'aptitude. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'agression ? Cette soi-disante victime, selon toi, est un ignoramus et un voleur. Il a réécrit des dizaines d'articles de mon encyclopédie et l'a ensuite nié devant témoin. Pourquoi n'as-tu pas averti la garde ? Je leur ai rendu visite, mais ils n'ont montré que dérision, mot qui signifie... Nous savons ce que signifie dérision, merci. Je suis confiant. Ça se prononce Pomeroy. Très bien. La famille voudrait qu'il soit libre. Ouais, mais je vous aime, mais disculpation, prison, peine de mort. Voyons voir ce qu'on en tire. Attends une seconde. Pourquoi il s'en est pris à la victime ? À cause d'une affaire de plagiat. Qu'est-ce que le coupable voulait obtenir de la victime ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que son acte était de rature contre un révolutionnaire ? Non. Qu'est-ce que la victime t'a volé ? Pomeroy a copié toute la lettre S de mon encyclopédie dans son livre. Comment tu peux en être aussi sûr ? Cherche simplement l'article Saturium, un alliage de cuivre, zinc et or utilisé dans la Rome antique pour faire des pièces. Qu'est-ce que cela prouve ? C'était un canular, ce qui signifie propos erroné qui a pour but de passer pour la vérité. Le Saturium n'existe pas, je l'ai inventé afin de savoir si quelqu'un copiait bêtement mon encyclopédie. Ne trompes-tu pas tes propres lecteurs de cette manière ? Même lui, il sait pas où il est, si tu veux. Bien sûr que non ! Personne ne cherchera ce terme puisque je l'ai inventé. C'est une bonne défense. C'est en vérité une bonne défense. On peut s'arrêter là et le libérer, si tu veux. Genre, écoute, si le mec, il a vraiment copié Saturnium, tu lui as mis une patate, c'est ton droit le plus strict. Mais, Osef la famille, une agression sur quelqu'un, c'est non. L'enquêteur mentionne dans son rapport que vous avez tous les deux du sang sur vos vêtements. Mais lors de son arrestation, le citoyen Pomeroy n'essayait pas de se défendre contre vous. C'était une bagarre, ce qui signifie un combat entre... Oui, je sais. Tu veux dire que tu as été blessé, du coup. Bien entendu, mais j'ai fait tomber Pomeroy, ce désastre en brûlant, avant qu'il me fasse pareil. C'est donc toi qui l'as accosté dans la rue. Exactement. J'ai exigé des excuses. Et lorsqu'il a refusé, tu l'as frappé. C'est sûrement lui qui a commencé, et maintenant il invente une histoire de bagarre. C'est lui qui a commencé en me volant. Allez. Hop. La véritable faute en revient à l'office de police qui n'a pas pris au sérieux sa déposition de vol avec ses preuves qui étaient valides. Il aurait dû cependant faire comparaître la victime devant la cour de justice ou trouver un autre commissariat, il y en a plusieurs à Paris, qui aurait pris sa truc au sérieux. Ou même publier un papier. Le mec avait accès à l'encyclopédie. C'est un lettré. Aucune raison pour laquelle il va aller rencontrer le mec pour lui mettre des patates dans la bouche. Même si je comprends son raisonnement et que je comprends sa rage et que je compatis, son comportement est absolument illégal. Allez, 30 jours de trou devraient le rafraîchir. Je condamne le citoyen... Je condamne l'accusé pour l'agression du citoyen Pomeroy. Garde, emmenez le condamné. La justice a parlé. Bien fait pour ce gros de la Sorbonne qui se dandine. Voilà. Très bien. On comprend, mais on n'approuve pas. Exactement.
Allez. Quelqu'un dit « La police était peut-être trop bête pour comprendre ce qu'il disait. » Bah non, vu que ce fils de pute explique tous les trois mots depuis deux syllabes qu'il exprime, en fait. Bon. Donc, même eux, ils peuvent piger, si tu veux. Très bien. « Je m'appelle Jean-Marie Roland, un nom qui doit vous être familier. Après tout, vous l'avez traîné dans la boue au cours du procès du roi Louis. » « Citoyen capé, et non roi. » « Roi Louis-Auguste Bourbon, duc de Berry, à cause de vos insinuations et spéculations, tout le monde veut ma tête, m'accuser de corruption et de trahison. Moi, alors que vous, vous vous servez des autres comme d'un escalier pour monter dans une hiérarchie sociale qui n'existe que dans votre tête. » « Corrompre des politiciens ne donne pas toujours les résultats escomptés. Cela réussit à Danton. Molleville a essayé, mais vous, vous avez été pris. Ça arrive. » Je serai probablement déchu de mon poste et finirai peut-être même à la guillotine. Mais je ferai tout pour que votre tête roule après la mienne. Nous serons frères dans notre misère. Menacer un juge du tribunal est une idée encore pire que soutenir un roi méprisé ou corrompre des membres de la convention. Je vais évincer votre candidat à la capitainerie de la garde, puis je m'attaquerai à vous. Cela nous a pris trop de temps, à moi et mon épouse, pour arriver où nous en sommes. Je ne me laisserai pas tuer par une vermine avinée qui se plaît à appeler juge. Vous verrez comment la guerre se mène dans les salons parisiens, petit bâtard sournois. Je suis vachement coulant quand même. Enfin, quand je dis, faut éviter l'ulcère, faut respirer. Cher compagnon, j'ai entendu parler de la visite inattendue du ministre Roland. Je dois admettre que Roland sait sur moi quelque chose qu'il devrait ignorer. J'ai la conviction qu'il manigance déjà contre nous. Nous devons sans tarder orchestrer quelque chose contre lui, François Rio. Joue-moi donc quelque chose, mon fils. J'ai du travail. Très bien, père. Ils font la gueule. Ah, ils font la gueule par j'ai mis un gars en tôle, si tu veux. Ah, il en s'en bat les couilles. Très bien. Soutenir la construction de la statue. Augmente le rythme à laquelle la statue se construit. Ah, travailler sur le procès de demain. Non. Première au théâtre. Ouais, je crois qu'il va falloir... Quoique non. Paraffer code. Une soirée avec grand-père. Balade nocturne. Comment se mettre papy à dos, si tu veux. Petite première au théâtre, ce serait pas mal, hein. Parce que lui, ça baisse, bien sûr, mais ça garderait la mégère en haut. Et quoique le père, il est propre. Hein. Et ça le baisserait un peu, genre là, tu vois. Et le peuple m'adore. Donc ce que je veux, c'est les révolutionnaires, si tu veux. Allez, une première au théâtre. Allez, je suis désolé, gamin, c'est chiant. Allez, le Cinoche. Allez, Cinoche. Donc papy, fait de la résistance. Le grand, il aime bien. La femeu, elle adore. Et le petit tout, oh ça l'emmerde, mais pas plus que ça, après tout, les marionnettes sont jolies. Pas tous les soirs, c'est tout. Très bien. Que s'est-il donc passé? L'endroit a été exploré. Wouhou! L'endroit a été... conquis? Ah ah, oui, l'endroit a été conquis. Agents ennemis. Les agents ennemis disputeront votre territoire à vos agents. Ils peuvent s'emparer des sections neutres ou des vôtres. Lorsque deux agents antagonistes se rencontrent dans une section, un combat s'engage. Gardez l'esprit d'un diplomate a peu de chance contre une brute. En cas de défaite au combat, votre agent écope d'une blessure. Il peut continuer à se déplacer, mais il ne peut plus exécuter d'action. Votre section principale est la plus importante. Ces bâtiments permettent d'influencer le reste du jeu. Protégez à tout prix. D'accord. Donc on lui pète la gueule. Donc ouais, on lui pète la gueule, lui. Et toi, toi, tu explores. Non? On pourrait conquérir l'endroit, mais... explorer, c'est important, presque. On va explorer l'endroit. Très bien. On a deux points d'influence. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Jour restant avant l'inspection, 10. Ah. Il faut que j'ai fini la statue avant. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Complot. Jean-Marie Roland. Les documents découverts dans l'armoire de fer de Capet ont jeté le soupçon sur Roland. Ridiculisé ouvertement par le tribunal, le ministre le déteste et ne vous pardonnera rien. Son ingénieuse épouse voue une rancune encore plus tenace. Nombre de succès pour gagner, nombre de succès pour un bonus. Bloc d'action. Menez bien des actions pour remplir un jour de progression. Si vous en exécutez trop peu, vous perdrez. Si vous accomplissez plus qu'il est nécessaire, vous recevrez un bonus. Jauge progression. D'accord, c'est ce qu'on gagne. Complot échoué. Complot réussi. Complot réussi. Complot parfait. D'accord, je comprends. Mais je choisis ou... Convaincre un témoin.
C'est vrai, les seules rumeurs indiquent que Roland aurait détruit les documents. Si nous pouvions les corroborer à l'aide d'un de ses proches, nous bénéficierions d'un puissant levier. Nous avons un candidat potentiel, Philippe Côté, qui assistait à l'ouverture de l'armoire de fer de Capet. Intéressant. Envoyer un diplomate pour 2 points. D'accord. Ou convaincre. On va le faire soi-même. On va garder nos points. Après tout, ça me permet d'explorer un peu plus le mini-jeu. Je pense que c'est la même chose que pour le public, c'est ça? Ah, peut-être pas. Très bien. Je te remercie d'être venu, citoyen Côté. Quel genre de voix je peux lui mettre? Merde, quel genre de voix je peux lui mettre à lui, ce con? C'est compliqué. Une voix de Pungi. Vas-y, comment je dis non à une personne comme ça, si tu veux. Nazière de Snob. Snob. Je sais pas, il a pas l'air... Une voix de prof. Très bien. Comment dire non à une personne qui tient la vie des rois entre ses mains? Je présume que notre rencontre concerne le ministre Roland. Exactement. J'aimerais m'entretenir avec toi au sujet de l'incident du coffre de fer. C'est en effet une sombre histoire. Le ministre pourrait y perdre sa tête, même si tout ne tient pour l'instant qu'à des oui-dire. Certes. Et si les oui-dire s'avéraient soudainement justes? La situation pourrait devenir explosive. Ah! Ah, ça m'a coûté 1 point. Bon. En retrait, impétuosité. Alors, en retrait, je l'ai noté. Ça, on l'a testé. C'est manipulation. Ou non, agressif. Double agressif. Quoi qu'attends. Agression, manipulation. On va voir, en fait. C'est les deux que j'ai noté qui étaient bons. Donc, si les deux sont parfaits, ça veut dire que parfois, ils peuvent s'échanger. Ou si les deux sont nuls. Par contre, si les deux sont... Il y en a un qui est bon et un qui est mauvais... Putain, ça fait pas de sens. La carotte et le bâton. Impétuosité. Putain, je l'ai pas celui-là. J'avais sous-polé. Impétuosité. Impétuosité, c'est pas quelque chose. Tu blagues. L'humilité face à l'impétuosité, je pense. Ça ou l'agression. On va tenter l'humilité. Argument imparable. Argument solide. Argument solide. Mais ça fait pas de sens. Ou alors, ça veut dire que lorsque quelqu'un est en retrait, les arguments qui marchent, c'est agression et manipulation, mais que c'est aléatoire lequel est le plus fort. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, on va voir si ça marche, hein, ce que je dis. Hein. Si ça marche, c'est que j'ai raison. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est manipulation et humilité. Et on va voir si j'ai raison. Parce qu'en fait, regardez, ces deux arguments ont la même valeur. Donc si je fais manipulation et manipulation, et que ça augmente de genre une barre, et que ça augmente de genre une demi-barre, ça veut dire que j'avais raison, ça veut dire que j'aurais dû faire manipulation et agression. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est en fait, il y en a un qui marche, donc c'est pour ça. Mais je vais faire ça et ça pour comprendre comment ça marche. Et ça, on me dit que c'est un argument imparable, donc c'est nickel. Manipulation, et regardons bien la différence des points qui augmentent. Allons-y. Il doute. Manipulation. Je veux la tête de Roland. Même si ses jours sont comptés, nous pourrions accélérer sa chute afin de soulager les Parisiens. Et la France. Ça a augmenté quasiment une barre. Roland n'est pas exempt de vice, mais justifie-t-il que je le trahisse? C'est bien ce que vous me demandez, n'est-ce pas? Donc là, ça devrait pas monter autant. Le ministre Roland ne te sauvera pas lorsque la tempête se lèvera. Quant à moi, je peux te sauver. D'une inculpation pour complicité, par exemple. J'avais raison. J'avais raison, j'aurais dû faire agression. Humilité, normalement, ça passe. J'ai confiance en ton sens de la raison, citoyen Côté. Écoute-la qui te dit que tu ne tiens pas à payer pour les fautes de Roland, et je ne tiens pas à te faire payer pour elle. Je vous aiderai, je témoignerai contre lui. Voyons où cela nous mènera. En tout cas, j'espère que ma tête restera sur mes épaules, comme vous me l'avez promis. Ça gagne ou... Ça gagne. Philippe Côté, curiosité, plus 2, wouh! Ça passe. Donc... Ça veut dire que il y a 2 possibilités et qu'en fait, sur ces 2 possibilités, il y en a une qui est bonne, mais ça peut changer. Donc ça veut dire que moi, je suis nickel parce que la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui est en retrait, je fais manipulation. Et si jamais manipulation est l'argument le plus fort, ben, c'est gagné. Et si jamais c'est pas le plus fort, il faut que je fasse agression et ce sera le plus fort. Donc ça, c'est déjà un truc qui est conquis. Et par contre, il faut que je note, putain, j'ai failli oublier, impétuosité.
Voilà. Humilité. Très bien. Humilité. Donc pour l'instant, on est pas mal. Hein. On est pas mal, on est pas mal. Ouh. Pas trouvé l'occasion de blaguer, cependant. Ouh. Nous avons donc un allié politique. Propager des rumeurs. 10%. Ah, ça a 10% de chance de réussir. Méthode de résolution. Certaines des actions nous demandent de prendre des décisions tactiques. Lorsque Roland a reconnu... Chance de réussite. A plus 10% de chance, convaincre un témoin. Ah d'accord, c'est parce que j'ai réussi. C'est pour ça que j'ai gagné. Lorsque Roland a reconnu que l'armoire de fer renfermée, il aurait demandé de rester seul un instant avec les documents. Étant donné l'occupation de Louis Capet pour conspiration et le manque... pour le manque de preuves, nous pourrions accuser le ministre des avoirs détruites. Une confirmation de côté pourrait nous servir. Il serait que le respecté Jacques-Louis David glisse quelques remarques mondaines pour provoquer une avalanche. Raphaël Clovis, garde des tribunaux qui était loyal, va devoir ouvrir grand les yeux à certains pour qu'ils comprennent à quel point Roland est une menace. Soyons diplomates, convainquons-le que c'était un fils de pute. Voilà, on attend des résultats. Chance de réussite 100%, très bien. C'était le bon choix. C'était le bon choix. C'était le bon choix. Donc eux ils se battent, toi t'explores. Eh ben, explorons Paris, c'est pas comme si on connaissait la région. Allons-y. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On peut dire qu'il n'est pas passé à côté de ta proposition, Bob. Arrêtez. Voilà. Qui est ce gars? Peine de mort, liberté. Dangereux. Eh oui. Saint-Just ment. Lors des habituels débats au café Procope, cet effronté de Saint-Just a déclaré avec démagogie que tous les juges étaient des reliques corrompues d'un système obsolète. Malheureusement, c'est encore vous qui l'a pris pour exemple. Mais qu'est-ce qui fait encore en vie, ce fils de chien? Putain, il ternit ma statue! Bon, c'est pas grave, on s'énerve pas, on s'occupera de cette espèce d'enfant de bâtard plus tard. Très bien. Alors, allons-y. Compilé par Maurice Gaspard. Corruption, népotisme, fraude et trahison. Grosse liste, hein, voyons voir. De l'eau a coulé depuis la liquidation de la très méprisée ferme générale. L'institution payait des droits au roi, puis bien souvent en employant la force, collectait des dettes auprès du peuple avec des intérêts considérables. Ah, c'est un... Ah là là, la ferme générale, c'est le crédit agricole ? Ah d'accord, c'est de l'usurerie. La Convention nationale a pris la juste décision de juger tous les anciens fermiers généraux ayant collecté les impôts auprès des paysans. Nous allons présenter des éléments de preuve contre l'un d'entre eux, Antoine Lavoisier. La première preuve de sa culpabilité réside dans le simple fait qu'il a obtenu son poste grâce au népotisme. En plus de collecter des impôts auprès des paysans affamés, il était impliqué dans toutes sortes d'affaires, parfois frauduleuses. Plusieurs témoins ont soutenu qu'il faisait souvent commerce dans le tablat humide, le vendant à des prix exorbitants. Nous n'avons trouvé aucune indication du dit frelatage dans les documents de Lavoisier, mais c'est un sujet qui court les rues de Paris. Frelatage. Ah d'accord, le fait qu'il est d'accord, qu'il mette... Ouais ok, qu'il fait du tabac nul. Il se servait de l'argent des impôts pour financer son laboratoire privé, où il réalisait de nombreuses expériences chimiques. Beaucoup de chimistes parisiens qui ont été interrogés lors de l'enquête ont qualifié Lavoisier de scientifique remarquable. Bien entendu, ce seul fait n'est pas suffisant pour pouvoir parler de trahison. Toutefois, l'accusé correspondait fréquemment avec des scientifiques étrangers. Nous avons constaté qu'il leur venait en aide avec l'argent collecté auprès des paysans français. En outre, il est possible qu'il partageait les résultats de ses recherches. Pourquoi ne pas tout garder pour le peuple français? Oui, c'est vrai que là, c'est pas propre. Rapport relatif au tabac. Je vous prie de bien vouloir conserver le tabac dans un endroit sec. S'il est humide, cela fait fuir les clients. Sa qualité se détériore et son prix baisse. Cordialement, Antoine Lavoisier. C'est Lavoisier, Bob. Oui, mais c'est le vrai Lavoisier. Je veux dire, Lavoisier, c'est un nom de famille. Il y en a peut-être d'autres. Qu'est-ce qu'il a inventé, Lavoisier, déjà? Complètement oublié, c'est pas grave. Mais j'avoue que ça reste... De toutes les inculpations qui sont là, ça reste le chef d'accusation le plus grave. C'est le père de la chimie moderne, mes excuses. C'est vrai que ça me disait quelque chose, mais je me souvenais plus. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Effectivement. Mais voilà. Bon. Alors, sept trucs comme ça. Scientifique remarquable. Personnalité de la personne jugée, bien sûr. Circonstances atténuantes. C'est un scientifique remarquable. Ferme générale. Est-ce que la ferme au général est contre-révolution? Oui, parce qu'elle appartenait au roi. Rapport. C'est une pièce à conviction.
Activités diverses. Non. Sa fraude, en revanche, est une accusation. Les scientifiques étrangers, c'est contre-révolution. Et les activités diverses, c'est sa personnalité. Très bien. Les gens sont heureux. D'ailleurs, ils éjaculent des confettis pour vous dire à quel point c'est le bonheur. De l'ordre. Ok. C'est normal qu'il échange avec d'autres scientifiques, même étrangers, c'est comme ça que ça fonctionne la science. Oui, oui, mais c'est potentiellement perçu. Ça peut potentiellement être perçu contre de la trahison directe et de la collusion avec des états adverses. Donc attention les mecs. Oui, je dirais que c'est logique et parfaitement normal, mais ça reste illégal. C'est ça le gag. Donc voilà. Conduit le prévenu. Du tabac humide. L'accusé a avoué le crime, sans doute pas. Quel type de recherche il conduisait? Viens voir. Il cherchait à transformer le plomb en or. Il avait de l'argent avec des... Il transférait l'argent des contribuables, hein. Ça a l'air d'être sain. Voyons voir, bon. Punissez ces maudits parasites! Ces personnes doivent tout bonnement passer sous la guillotine. Elles symbolisent les raisons qui ont poussé les Français à se révolter. Je prie de te présenter, citoyen. Je m'appelle Antoine Lavoisier. Quelle est ta profession, monsieur Lavoisier? J'étais collecteur d'impôts pour la ferme générale, et je suis également scientifique. Je me permets d'ajouter sans modestie que j'ai fait de nombreuses découvertes très importantes. Ne viens pas fanfaronner devant le tribunal! Parle-nous donc du pâté dont tu t'es goinfré grâce à notre argent, fils de pute! Oh, de l'or! Bon. Allons-y progressivement. À part ton poste en tant que fermier général et tes travaux scientifiques, as-tu d'autres occupations? Non, je suis également membre de la régie des poudres. Avant le début de la révolution, on m'a chargé de présider le conseil d'administration de la caisse d'escompte. La caisse d'escompte, pardon. Cela fait beaucoup pour une seule personne, tu ne trouves pas? Escroc! Avare! Harpagon! Attention, c'est un mot de plus de 3 syllabes. De l'arbre! Les personnes qui m'ont affecté à ces postes ne se sont jamais plaintes de la qualité de mon travail. Ce doit être le pur fruit du hasard si la plupart des dites personnes ont déjà été condamnées à la prison ou à la guillotine. Enfin, quelqu'un qui se charge ses voleurs sans scrupules. J'arrive plus à parler, putain. Très bien. Comment es-tu devenu fermier général? Ce ne sont pas les rumeurs qui manquent à ce sujet. J'ai hérité du poste de mon beau-père. Népotisme! Du calme, ton cerveau! Non, mais non! Du calme! Pourquoi l'avoir accepté? Je travaillais pour le roi de France et l'État tout entier. C'était un honneur pour moi. Pour être honnête, je prenais même du plaisir à le faire. Prends du plaisir à être riche, fils de... Calmez-vous! Selon moi, tu t'es marié pour être nommé à ces fonctions par ton... Attends. Selon moi, tu t'es marié pour être nommé à ces fonctions par ton beau-père. C'est une insinuation scandaleuse! À vrai dire, grâce à ton mariage, tu commençais à gagner bien plus que la moyenne. Se marier avec une femme aisée n'est pas un acte répréhensible. Quel âge avait ta femme au moment du mariage? 13 ans, mais je ne vois pas en quoi l'âge de ma femme est pertinent pour cette affaire. Web, web, web. De toute façon, pas de mystère. Hein. Bon, on a encore pas mal de marge, allons-y. Il me faut la réponse. Voilà, l'argent est scientifique, allons-y. Maintenais-tu ton laboratoire opérationnel grâce à l'argent des contribuables? Oui, monsieur le juge. De là! Qu'as-tu découvert exactement? Quelque chose d'utile?
J'ai, entre autres choses, expliqué le phénomène de la combustion, réfuté la théorie du phlogistique, élaboré la calorimétrie... De quoi il parle ? Ces découvertes sont-elles profitables aux citoyens lambda ? La science n'améliore pas forcément la vie des gens en un claquement de doigts, mais un jour, ces découvertes seront... Vous avez entendu ? La science n'améliore pas la vie des gens ! Ah bah la science ! Huissier ! Greffier ! Est-ce que quelqu'un peut retirer ce pécor de ma salle ? Bordel de merde, c'est pas possible d'être aussi pauvre ! De l'ordre ! Putain, c'est pas possible ! Fou ! Combien d'argent as-tu dépensé dans tes recherches ? Je n'ai pas calculé, cela fait des années que je travaille sur mes recherches. Il n'a pas calculé, pensez pas lui qui payait ! De l'ordre ! Putain. Putain, mais sortez-le ce mec ! C'est pas possible. Merdier qui met quoi. Oh le gars il chauffe la salle. Donc par contre du coup ce qu'as-tu découvert. Quelle étude ok l'étude... Ah, il étudiait le problème de la combustion. Bon je dirais oui voilà. Est-ce que l'accusé a avoué le crime? Non. Le tabac frelaté, c'est pas un problème parce que le mec a fait une lettre lui-même pour dire qu'il voulait pas en vendre, si tu veux. Qu'il voulait vendre du tabac normal. Donc on a une preuve dans le sens de ça, voilà. Parlons de l'argent que t'as dérobé au trésor public, non ? Pourquoi t'es pas consacré à la science ? Écoute, on va mettre la pression. Pourquoi ne t'es-tu pas entièrement consacré à la science ? J'avais assez de temps libre pour m'impliquer dans une multitude d'activités. Penses-tu pas que tu gagnerais en efficacité si tu te focalisais sur un seul domaine ? Merci de vous inquiéter, mais mon quotidien ne concerne que moi. Non, en tant qu'agent de l'État, tu devrais consacrer la totalité de ton temps et de ton énergie à le servir, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il va dire, le parasite ? Les gens normaux se concentrent sur une seule tâche, mais ce n'est pas suffisant pour moi, je m'ennuierai à mourir. Dis-moi en plus sur les scientifiques étrangers qui t'ont demandé de l'aide et de l'argent. Qui étaient-ils ? Certains étaient des chimistes italiens, de grands esprits scientifiques, mais pas vraiment doués à l'heure de recueillir des fonds. Bartolomeo Beccaria, Diego Petrarca, Daniele Marconi. Tu as financé des Italiens, quand bien même ils sont entrés en guerre contre la France à maintes reprises. Il a raison ! Nous nous sommes battus contre tous nos voisins. Quel est le rapport avec la science ? Ce ne seraient pas les scientifiques comme toi qui ont inventé le pistolet et le mousquet, ces petits objets qui ont complètement changé le visage de la guerre ? Mes travaux ne sont en aucun cas liés aux armes. Peut-on te croire sur parole ? Oui, on peut. Donc là, tel qu'on est, on a une situation. Il y a un problème en fait. Il y a un problème. Le problème étant le suivant. Si je lui pose encore une question, il va aller en tôle. Peine de mort pour moi, c'est limite. Hein. Ça devient complexe là tout de suite. Mais il va en tôle. Le problème, c'est que. En fait, de tous les chefs d'inculpation, fraude, népotisme, corruption, je m'en bats les couilles. Ça doit être le truc du tabac. Népotisme, on s'en fout. Trahison. Fraude et trahison sont le plus gros truc. Trahison peut-être moins, parce qu'effectivement, si ses recherches avec les... Si ses recherches étaient avec les autres scientifiques italiens, c'est pas un souci, si tu veux. Mais le problème, c'est qu'il a détourné de l'argent des contribuables, pris aux fermiers, pour payer soit ses recherches et ses institutions personnelles, soit des recherches et des institutions d'autres gars, comme il est écrit dans ce rapport, si tu veux. Le résultat de ses recherches s'en bat les couilles. Ils ont constaté qu'il leur venait en aide avec l'argent collecté auprès des paysans français. Et ça, c'est inacceptable.
Ça, c'est un détournement d'argent, et surtout d'argent d'une population qui crève déjà de faim. Je suis désolé, Lavoisier, t'es un super scientifique et tout, mais le problème, c'est que tes actions ont littéralement pénalisé la France, si tu veux. Là, c'est littéralement une action contre la France. Donc, j'ai envie de dire non. Je vais te dire non. Et si je pose plus de questions, le jury va se mettre contre moi, donc pour le coup, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je l'assume. Allez. Je suis désolé. Pour crime de trahison, détournement de fonds publics et financement de puissances étrangères, c'est littéralement le cas. J'espère en tout cas qu'on avait raison. Tout balance là-dessus si tu veux. Je condamne le citoyen Antoine Lavoisier à être guillotiné. Emmenez le condamné. Tous les ennemis de la France connaîtront le même sort. Ouah ! Qu'on en finisse avec les parasites ! Sauvons la France ! Ah ! Pour ma défense, c'était dans le rapport. Bon. Bon. Après, oh merde. Allez. Allez, chop chop, on n'a pas le temps si tu veux. Vous m'aviez demandé hier de réduire un agent de silence. C'est fait, mais vous devriez le voir par vous-même. Les gens sont là tous sympas. Si vous voulez du sang, t'avais décidé de le tuer. Non. Non. Sa sentence pendait littéralement sur le fait que si oui ou non, il avait donné de l'argent à des puissances étrangères. Le fait est que il l'a fait dans le rapport que j'avais, si tu veux. Je pourrais peut-être conquérir le cœur de la foule. Eh ben ouais, ils ont l'air chauds, là. Pour un point d'influence. Insouciance. Ah, alors insouciance, c'est gratos... Insouciance, je l'ai pas, mais c'est gratos la plaisanterie, si tu veux. Ça c'est sûr. Sinon, susceptibilité. Ah, celui-là on sait. C'est humilité ou manipulation. Peut-être. Enfin, je dis manipulation parce que tu peux pas agresser ou dire de la merde, mais on va tester manipulation pour voir. Et enfin, du moins c'est celui que je soupçonnais, je l'ai écrit sur le papier. Et enfin, attachement, c'est nouveau ça. Attachement, c'est nouveau. On va... C'est quoi ? On va tenter la blague. Si c'est pas la blague, on va tenter l'humilité. Argument imparable. D'accord, c'est la blague. Alors attendez, laissez-moi noter ça. Argument imparable. Argument imparable. Ok, très bien. Alors attendez. C'est quoi les trucs ? C'est insouciance. Voilà, donc ça c'est voilà la blague. Susceptibilité, manipulation. Donc susceptibilité c'est manipulation ou humble, c'est ça. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Et enfin attachement. C'est nouveau ça. Donc on va mettre love. Voilà love. Et on va mettre la blague. Voilà. Putain j'ai failli signer Bob Lennon. Mais qui vit encore en convention, si tu veux. Ok, très bien. Donc ça, on est bon. Donc blague, manipulation, blague. Allons-y. Allez, Lavoisier, on sauce. Dépêchons, la faucheuse souhaiterait s'entretenir avec le condamné à propos de cet horrible crime. Ne les écoutez pas quand ils disent que vous ne savez pas lire. Vous les écouterez plutôt demander pitié au pied de la guillotine. Allez, on se dépêche, allez, hop, 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 j'ai la dalle, là. Plus 4 de répute, hein, putain. C'est absurde, si vous me tuez, vous entraverez le progrès scientifique. Ça va bien se passer, je t'assure. Je t'assure, ça va bien se passer. Tirez la corde. Autre chose ? Pour la révolution, très bien. Les 10 secondes du condamné.
2, 1... Do you want to show me a common dead body? It's not just a dead body. Look at that necklace. Oh putain. A fleur-de-lis. There's more. Hidden under his clothes. We found a message in the inner pocket of his cloak. It's an order. Someone told that man to build support for a mysterious R in the district. Who is arrogant enough to take Louis' place? Only aristocrats are powerful enough to secretly organize people like him. Even they would need help from someone in the convention. So who is R? Robespierre, maybe? If he's allying with aristocrats, we must tell someone. Everyone. Du calme. It could be Minister Roland. Hmm. As long as we are not sure, we would only create panic. If that's the case, we'll have to hunt down other agents. This one won't be telling us anything. We have no other choice. If this R is trying to gain support, you must do the same, for the greater good. Ah, pour le bien de tous. Bon, je pense pas que ce soit Robespierre, hein. Plus Roland, hein, ça fait du sens. Hein. Berceuse au whisky. Oh, c'est très bien. C'est une chaude soirée, vous décidez donc de prendre votre temps pour rentrer. À proximité du café Le Chantilly, vous remarquez une scène amusante. Deux ivrognes se battent pour une bouteille d'alcool et lancent des jurons tels des garçons d'écurie. Le premier est plus petit et porte un uniforme d'officier tout débraillé, peut-être celui d'un colonel. L'autre, même s'il est bien plus grand, n'est qu'un simple voyou. Vous prêtez une oreille au charabia aux épithètes qui fusent, pour finalement comprendre qu'il ne reste que quelques gouttes dans la bouteille. Non merci, c'est en dessous de ma stature. L'ivrogne le plus grand sort vainqueur en rassemblant toutes ses forces. L'officier atterrit face contre terre dans la boue et la dernière goutte d'alcool vient chatouiller le palais du gagnant. C'en est assez pour vous. Quelque chose de bien meilleur à boire vous attend à la maison. Plus de réputation, j'avais raison. Première au théâtre, ça ferait plaisir au fils. Jouer avec les enfants, Parafrikov et balade nocturne. On va jouer avec les gosses, la mégère, elle est bien chaude là, elle est bien chaude, ça se passe bien. Les besoins de votre femme peuvent attendre. Écoute Gisèle, tu te masturberas, respecte mon espace vital. Ah, ça suffit pas, putain. Bon. Bon, en espérant que ça suffise. En espérant que ça suffise, comment ça s'est passé? Donc lui il est mort, d'accord, ça s'est bien passé donc. Ah, et j'ai gagné un fragment de visage, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut que je bute ces gars. Que se passe-t-il? Les émeutes font obstacle aux agents, sauf à être colosse. Dans une section, ils vous empêchent d'y gagner des points d'influence. Tant qu'une émeute n'est pas réprimée, sa section est neutre et elle risque rapidement de se propager. Miséricorde! Vite! Vite la répression! Très bien ça. Jacques-Louis David inactif. Tu peux conquérir la zone? On peut explorer ça en fait. Ce sera intéressant de l'explorer et après au jour suivant de conquérir un peu partout tout ce qui se pointe. Montez votre influence sur ce quartier. On va essayer de conquérir. On verra bien ce qui s'y trame. En contre, la statue est pas du tout construite si tu veux. Passer plus de temps en famille, favoriser les persuasions. Très bien, alors attends. Complot, voyons voir. Réussite, les rumeurs se sont propagées. Mobiliser les soutiens. Les documents découverts dans l'armoire de fer de Capet ont jeté le soupçon sur Roland. Ridiculisé, blablabla. Ok. Cessons de tergiverser, nous laissons à notre ennemi l'occasion de se rétablir. Nous devons employer toutes les rumeurs et accusations possibles et mettre à contribution les députés de la convention. Ceux-ci prendront le ministre à partie lors d'une séance. Ah! Donc j'ai le choix entre Georges Danton, très bien, Jean-Paul Marat, ok, et Grace Elliott. Eh ben on va convaincre Danton, je pense.
Danton, c'est vrai. Danton et la Catin, peut-être ? Ou Mara et Danton, peut-être pas la Catin. Quoi que la Catin... Off. Danton, allons pour Danton, allons-y. On va le convaincre. Ça me permet de participer au mini-jeu, c'est cool. Oh putain, il a l'air vénère. Ah d'accord, il s'en bat les couilles. Quoi d'autre ? Attachement, ok, très bien. Ok, on a trois éléments, enfin deux éléments qu'on connaît. Donc on est bien. Ce qui veut dire que je peux faire la blague, et s'il est attaché, je peux faire la blague. Ça, la blague, et si jamais... ouais. Argument imparable, argument solide. Donc ça, ça veut dire parce qu'on l'a trouvé... Non, on l'a pas trouvé. Hein. On n'a pas trouvé la blague, c'était passé. Hein. On n'a pas trouvé, donc on devrait guess, en fait. Et là, on devrait guess. Et ça, c'est Carefree, donc qu'est-ce qu'on peut... Putain. Mec est insouciant, si tu veux. Allons-y, bon. Nous devons nous débarrasser de Roland pour son propre bien. Ses poches ne tarderont pas à éclater sous le poids de l'argent qu'il y entasse. Roland est certes une sangsue, mais il est aussi ministre et élu du peuple. Monsieur et Madame Roland sont deux moustiques qui me piquent, avides du sang de la France. Personne n'aime les moustiques. Les Girondins s'en mêlent souvent les pieds tout seuls. Nous n'avons qu'à leur donner un petit coup de pouce. La domination des Jacobins serait chose plaisante. Cela faciliterait grandement le gouvernement du pays. La France se relèverait enfin. Très bien, je t'aiderai. Curiosité. Ouf, plus de soutien de révolutionnaire. Oh, ça sauve. Enfin, j'étais à la limite de la muerte, si tu veux. Bon. Après, il y a Mara ou Grace Elliott. On va convaincre Mara. Ça va bien se passer. Allons-y. Oh putain. Lui, je vais faire un accent de mec qui s'emmerde, si tu veux. Je te remercie d'être venu. Que va-t-il pas faire pour les juges du tribunal ? Je voudrais discuter du ministre Roland. Je vois. Ah d'accord, donc il est vénère. Ah oui d'accord, il est soupolé le gars, très bien. Mais c'est bien, ça veut dire que s'il est susceptible, c'est facile, il suffit de le... On va tester humilité et manipulation. On sait qu'humilité ça marche. Alors, manipulation. Qui gagnera-t-il? Et là on a une chance, on sait que la plaisanterie ça marche. Donc essayons autre chose. Essayons la manipulation. Argument faible. Donc d'accord, ça marche pas, donc on va faire la blague. Donc ça, argument solide, argument imparable. Ah ! Alors attendez, que je corrige. Ou l'autre, très bien. C'est noté. Très bien, donc ça veut dire que il faut que je fasse manipulation, blague. Très bien, parce que blague c'est garanti quand il est insouciant, si tu veux. Enfin, on sait pas si c'est le plus fort argument, mais c'est un argument qui est garanti. Donc manip et blague. Et manip, on sait que c'est l'argument le plus fort. Allons-y. Roland représente-t-il réellement le peuple ou bien œuvre-t-il pour le roi et sa suite ? Tu lui as marché sur les pieds et il a réagi personnellement. En quoi cela sert-il l'intérêt de l'État ? Pour s'éviter une condamnation, Roland a lancé une croisade contre moi. N'a-t-il pas de la sorte déclaré la guerre contre le nouveau régime ? Les Girondins s'en mêlent souvent les pieds tout seuls. Nous n'avons qu'à leur donner un petit coup de pouce. La chute précipitée du ministre Roland et de son génie d'épouse donnera des sueurs froides aux Girondins. Tu peux compter sur moi. Bon bah bien, plus 5 du peuple. Eh, Mara, il sauce. Hein. Du coup, je me demande ce qu'elle faisait monter, elle. On peut la... Ah, je peux pas. Ah. De temps à autre, votre ennemi risque de ruiner vos plans par une contre-attaque. Si cela arrive, vous devez réagir rapidement et rationnellement. Henriot maltraite sa famille. Par prévention contre d'éventuelles attaques de la Convention, Roland a laissé entendre que François Henriot
Ah merde, c'est le mec que j'ai nommé à la garde, si tu veux, qui postule la charge de commandant en chef de la garde nationale, maltraite sa famille. Ses divulgations restent à confirmer. Sans doute Roland cherche-t-il à utiliser cette rumeur pour saboter la candidature de Henriot. Il faudrait que Henriot parade avec sa famille pour manifester son bonheur. Il faudrait même retrouver ceux qui ont propagé les rumeurs pour leur faire taire. Le problème, c'est que, voilà, le fait qu'il parade avec sa famille pour manifester son bonheur, à mon avis, si sa femme a deux yeux au beurre noir, si tu veux, c'est... C'est kiff-kiff bourricot côté diplomatie, tu vois. Alors que moi, au tout début du jeu, si vous vous souvenez, il y a des gens qui m'ont traité de poivreau joueur robot sexuel. Bon, j'ai appliqué la technique du coup de genou, ça se met partout, partout. Les médisances et les rumeurs, c'est facile quant à leur sœur. Coup de genou, ça règle tout problème et tout. C'est facile, hein, donc un petit peu de force. Voilà qui devrait... Chance de réussite, 60%, c'est pas beaucoup. Mais écoute, on verra bien. Voilà qui devrait régler le problème. Du moins, on l'espère. On l'espère grandement. Et ben, pas mal. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On est jour 9, on est bientôt jour 10. Allez, jour 10, mais juste pour voir la gueule du truc. Et on reprendra dans un prochain épisode, chers amis. Acte 1, liberté, jour 10. Il y a Robespierre qui m'envoie des papiers, c'est cool. Juste... Ah! Ah, j'ai bien fait d'arrêter l'épisode là. Assise sur le banc des accusés se tient l'épouse du citoyen Louis Capet condamné à mort, Marie-Antoinette. Où ça va être? Juteux! Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis de l'ordre! De l'ordre dans les commentaires, bordel de merde! De l'ordre!